Le quatrième gradient, c'est l'urbanisation. La présence de petites et moyennes villes. Ensuite, vous avez la métropolisation. Au Canada, il y a trois grandes métropoles qui structurent l'espace canadien. Vous avez Montréal, Toronto et Vancouver. Puis, il y a le gradient qui s'appelle l'américanisation. Ces six gradients-là expliquent à peu près 80% de la croissance démographique de tout le Canada. Donc, c'est une géographie une géographie qui fournit une certaine synthèse du Canada. Moi, j'ai collaboré évidemment dans ce type de géographie un peu, mais ça n'a pas pris de temps. Après que les méthodes quantitatives ont été introduites en 70 à peu près au Québec, il y a les marxistes qui ont dit hey, la géographie, là, vous autres, l'analyse spatiale, vous parlez de structure, mais vous ne parlez pas des personnes. Pour qui travaillez-vous? Pour qui vous faites la géographie? Vous ne parlez pas des classes sociales, vous ne parlez pas de la pauvreté, de la ségrégation, des effets de domination, du pouvoir, vous ne parlez pas de ça. Là, dans notre gang, des humanistes, des géographes humanistes, géographes culturels, sous le guillemets, ils ont dit, puis l'individu dans tout ça, là, c'est bien beau de parler de classe sociale et de structure, mais l'individu dans tout ça, pour les géographes humanistes, l'individu a une expérience par rapport aux lieux et aux territoires. Chacun d'entre nous a une certaine expérience des lieux et des territoires. Fait qu'il faut en tenir compte normalement quand on pratique une géographie. C'est ça que les humanistes ont dit. Et un autre groupe, les féministes, ce qui est intéressant, les féministes ont dit que les femmes, eux autres, parce qu'il n'y a pas juste l'individu homme, ou l'individu avec un grand I, je ne sais pas si ça existe, mais un homme avec un grand H, les femmes, eux autres ont évidemment le sentiment d'injustice joué en faveur d'un changement d'étude de l'espace. Les rapports hommes-femmes, le rapport qui existe entre les hommes et les femmes, ça change ça change la nature du territoire, ça. Je pourrais vous donner un exemple, un coup. La femme va travailler à la voie basseau, mais elle est fermée. Elle va travailler à la voie basseau en auto. Puis l'homme, lui, il part en auto, puis il s'en va travailler à la CIP. Mon exemple est vieux, là. Mais vous voyez, le rapport à l'espace est différent selon les hommes. Puis le rapport est différent parce que ça dépend de la relation qu'il y a entre l'homme et la femme. Voilà. Parce qu'on aurait pu avoir l'inverse aussi. Donc, ce qui conditionne la formation d'un territoire, c'est l'interaction entre des individus, des personnes, des groupes. Ça finit l'analyse spatiale en 85. C'est à partir de 85 que les géographes ont dit « Oui, la géographie est une science sociale. » Parce qu'on parle de géographie humaniste, de géographie féministe. Donc, on fait une géographie science sociale. Alors qu'au début du siècle, on considérait que la géographie faisait partie des sciences naturelles. Il y a un troisième type de géographie dont la date de naissance est 1985. Là, j'ai un texte, je ne l'ai pas distribué. Vous quittez le document que je vous ai donné. Et peut-être c'est mieux comme ça parce que le texte comprend des petites équations, mais je pense que vous allez les comprendre quand si vous prenez mon document à la fin, que vous les lisez chez vous, vous allez pouvoir comprendre. L'objectif de la géographie change. Le but de la géographie change. C'est l'étude des sociétés dans leur relation au territoire. Vous voyez, on met à l'avant l'étude des sociétés. Si la géographie est une science sociale, elle étudie la société comme l'histoire, comme l'économie, comme la sociologie, l'ethnographie, etc. Donc, la géographie étudie la société, mais avec une optique particulière. Sa grille d'analyse, si vous voulez, c'est le territoire. Elle voit la société à travers le territoire. Et là, il faut considérer que la société dont je parle, ce n'est pas la somme des individus. Hein? Si je faisais toute cette équation et je additionnais tous les individus, là, ce n'est pas la société, ça. La société, c'est la somme des interactions entre les individus. C'est différent. Bon, j'ai décidé de suivre l'exemple de Clément Lorrain. Et ça, c'est une peinture. Ah, c'est une peinture solide. Parce que je ne pouvais pas vous présenter des diapositives, évidemment, mais je trouvais que
cette peinture-là est quand même agréable. Bon, on sait que c'est une peinture naïve, mais aussi, vous avez un territoire. De quoi est composé ce territoire-là? Vous voyez, il y a des champs, des bâtiments, c'est sûr qu'il y a de la forêt. De quoi on ne peut plus parler de la nature? Comme dans la première période de géographie, où géographie en relation à la nature, ici, on doit parler plutôt de relation territoire. La nature, en fait, a été transformée. Le territoire, c'est un produit de la société. Parce qu'on voit bien que les gens ont défriché, on pense qu'ils ont défriché, du moins au Québec, c'est une peinture du Québec, hein? Je peux vous la vendre 20 $ si vous voulez. Je sais que Luc ne pourrait pas l'apprécier, lui qui est peintre, ses hommes. Mais ici, vous avez le territoire. Mais ce territoire-là change. Et quand moi, la relation que j'ai avec ce territoire-là va changer dans le temps. C'est là que j'arrive avec le deuxième. Vous voyez, c'est un paysage vivant. Changement de saison. Changement de rapport au territoire. Ici, vous avez les enfants qui vivent sur le train et le traîneau, avec des bâtiments. Vous voyez, la relation qu'on a au territoire va changer selon les saisons. Ici, la nature, je tiens compte de la nature. On tient compte de la nature, mais après. Autrement dit, l'activité humaine vient, mais on utilise la nature. Alors que l'ancienne géographie étudiait la nature, pour essayer de comprendre les activités humaines. Ici, il faut comprendre, si vous voulez, la petite société qui favorise la descente en traîneau. Vous voyez, on inverse. On inverse. Le troisième, c'est la dernière. Celle-là, je l'ai choisie en dernier parce qu'elle aussi a voulu se mettre. Celle-ci, qu'est-ce que vous constatez? C'est le laboureur. Hein? Bon. Le territoire se transforme sous l'action des hommes, des individus, des groupes, des familles, des entreprises, des États, des municipalités, vous comprenez? La somme des interactions entre les hommes, là, c'est tout ça, l'interaction entre, non seulement entre individus, mais individus, groupes et sociétés, etc. Ça, c'est le travail. Bon. Avant ce travail-là, il y a eu souvent une perception. Les gens ont eu une perception du territoire qui pouvait venir, d'un territoire qu'on pouvait faire. Ensuite, ils se sont représentés ça dans la terre, puis ils ont agi en conséquence. Ça, c'est ce que j'appelle la géographie relationnel. Combien il reste une minute? C'est une demi-heure, s'il vous plaît. Ouais. Étant donné que la géographie a changé d'orientation, ça veut dire que moi, je dois travailler en interdisciplinarité avec les autres. Et évidemment, moi, je dois tenir compte de tous les travaux de la, tenir compte des travaux de la sociologie, de l'histoire. Autrement dit, je ne peux pas faire une géographie, c'est plus une géographie globale qu'on fait. C'est une géographie qui est plus limitée, plus humble, mais qui vise à étudier des relations plutôt spécifiques avec le territoire. Donc, je dois me limiter. Puis, le plus complexe, étant donné qu'on fait intervenir la relation entre les acteurs sur le territoire. Edgar Morin disait qu'une discipline est à la fois ouverte et fermée. Par rapport aux autres sciences. Moi, ça me situe un peu dans le débat de la semaine prochaine, de deux semaines. Je n'étais pas là, mais je trouve ça intéressant. Une discipline à la fois ouverte et fermée. Pour qu'une discipline puisse se développer, il faut qu'elle soit à la fois fermée et ouverte. Ça veut dire qu'il faut qu'elle pense son orientation par rapport aux autres disciplines, mais il faut aussi qu'elle puisse être ouverte aux travaux des autres, aux travaux des autres scientifiques. Mais là, j'ai une métaphore à faire ici. La métaphore, c'est la métaphore de la maison. Moi, quand on parle d'ouverture, évidemment, je pense à deux choses. La fenêtre, la porte. OK?
Okay, c'est la fenêtre, c'est peut-être, ça nous permet de voir les autres, peut-être, ce qui est en dedans, ce qui est à l'extérieur. Mais la porte symbolise les échanges. Fait que ça fait suite un peu à votre discussion de la semaine passée, que j'ai dû manquer. Bon, pour terminer un peu là-dessus, c'est que le type de relation au territoire, il y a les perceptions, représentations dans la tête, projets, comportements ou actions dans le territoire. Et le territoire change constamment, il est censé se renouveler. Le territoire est un processus. Sous la mouvance des relations sociales et sociétales. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous faire, à vous expliquer la géographie relationnelle, je terminerai là-dessus, mais pas pour l'exposé en général, pas pour mon exposé. C'est que cette semaine, la semaine dernière, il y a eu, dans le devoir de vendredi 11 octobre, il y a un article qui a été publié par des professeurs qui enseignent à l'Université du Québec à Rimouski. Quelle histoire pour la géographie? Comme un type tantôt me disait, on aurait pu inverser quelle géographie pour l'histoire? Ça, on sait la réponse, parce que les géographes ont fait souvent le chapitre introductif des manuels, pas des manuels, mais des ouvrages d'histoire en passé. C'est pour ça qu'on disait que la géographie était au service de l'histoire, la servante de l'histoire. Ici, dans l'article du journal, j'en ai fait des copies sur le livre. Je cherche ma photocopie de l'article, parce que j'ai pu babouiller un peu. On dit, s'il y a un devoir de l'État de bien enseigner d'où l'on vient, nous croyons qu'il est tout aussi crucial de bien connaître et de bien enseigner le territoire, ses enjeux, ses dynamiques. De bien enseigner le territoire, ses enjeux, ses dynamiques. Déjà, j'ai un petit problème, parce que les enjeux, c'est peut-être plus les sociétés qu'ils ont par rapport au territoire. Bon. La première partie du texte montre que, avec la dernière réforme du programme de géographie au secondaire, on a enlevé 50 heures de géographie dans l'enseignement au secondaire, puis on a rajouté 150 à l'histoire. Et vous savez qu'à l'heure actuelle, on fait des pressions pour que le contenu d'histoire augmente dans le curriculum. Là, je pense bien que le gouvernement s'aligne vers une augmentation de la géographie au niveau collégial, un cours obligatoire au niveau collégial. Ici, les gens de Rimouski veulent une augmentation du nombre de cours de géographie. Donc, ce qui reproche à l'ancien programme, c'est qu'ils ont transféré ce qui était la géographie physique. Ils l'ont transféré dans les cours de sciences et de technologie. Déjà, les géographes sont responsables de ça, parce que la géographie physique, c'est toujours spécialisé. Toujours, toujours de spécialiser. La géographie physique, ça comprend la climatologie, la géomorphologie, l'hydrologie. En tout cas, on enseigne une série de sciences naturelles à l'intérieur des départements, mais à mesure que l'évolution des recherches avance, les géographes physiciens se spécialisent. Ils ont pris une distance par rapport à la géographie. Ils ont oublié la géographie, avoir une vision un peu géographique, avoir un sens géographique pour l'ensemble de la discipline. Ils ont oublié. Ici, on n'est pas d'accord. Puis là, plus loin, on dit « La géographie est à l'interface des sciences humaines et des sciences naturelles. » Évidemment, je ne suis pas d'accord. Parce que la géographie relationnelle que vous avez dont j'ai parlé tantôt, ça fait référence à des éléments de société, en premier lieu. Ensuite, un autre point, il dit « Si un territoire, et ça, je trouve ça intéressant pour l'erreur qu'ils font, à mon point de vue. Si un territoire est d'abord socialement construit, c'est ce que je vous ai dit, il s'inscrit toujours dans un géosystème qui peut structurer. Géosystème, ça, c'est une unité naturelle, si vous voulez, un paysage. Le territoire s'inscrit toujours dans un géosystème qui peut structurer, contraindre, enrichir et expliquer les activités qui s'y déroulent ou qui ne s'y déroulent pas. Moi, je ne pense pas que le milieu naturel explique. Le géosystème n'explique pas rien. C'est l'homme qui explique et qui définit les activités dans le milieu naturel. Et que pour moi, c'est une absurdité de dire ça. Je m'excuse. Je ne suis pas prétentieux en disant ça. Ça correspond à mes travaux, puis pas juste les miens.
parce que je ne suis pas décroché de l'ensemble des travaux d'épistémologie en géographie. Bon, je me suis posé une question à la fin, parce qu'il faut savoir, qui a écrit le texte. Bon, on connaissait quelques-uns des professeurs qui étaient en question là, j'étais sur Internet, mais sur 7 professeurs, en fait, il n'y en a pas un qui enseigne la géographie humaine. Eux, ils voudraient qu'on augmente l'enseignement de la géographie au secondaire. Mais vous voyez ici, il y a 7 professeurs, il y en a un qui est spécialisé en télédétection. Ça, c'est de me dire les images de satellites. Géosciences côtières, géomorphologie, hydrologie, géomorphologie, risque naturel, géomorphologie, archéologie. Autrement dit, à Rimouski, il n'y a pas de gens qui enseignent la géographie humaine. Qu'est-ce qu'ils ont à dire de sérieux contre la nature du programme de géographie secondaire? Je me suis demandé, est-ce qu'il y a une baisse de clientèle? Parce qu'on peut penser que les étudiants qui sont au secondaire, qui font de la géographie au secondaire, vont aller à l'université. Peut-être. Ils défendent leur bord, à mon point de vue, leur propre intérêt. C'est ça que j'avais dit pour la tienne. Parce qu'Yvon m'a écrit, il dit, « Ah, il y a un article qui est paru dans le bon, j'ai fait mon commentaire. » Je cherche mes notes un peu, là. Bon. Je voudrais vous parler un peu des institutions. Les institutions de géographie, ce sont les départements, les modules, là où on enseigne la géographie. Si on regarde les tendances récentes, on parle de 50 ans, 40 ans, là. Il y a une hyper spécialisation sur les sujets du milieu naturel. Sujets qui constituent en eux-mêmes des disciplines autonomes. Ça, c'est acquis maintenant. Par exemple, en géomorphologie. La géomorphologie s'enseigne dans des départements de géographie. Mais vous demandez à un géomorphologue qui enseigne dans un département de géographie, vous lui demandez, c'est quoi ça, géomorphologie? Il va vous dire, c'est une science qui étudie le relief. Il ne vous parlera pas de géographie. C'est la même chose pour la climatologie. Il va dire, une science qui étudie la climatologie. En géographie humaine, j'avoue aussi que les sujets sont devenus plus pointus dans la recherche. Ensuite, il y a une spécialisation outrancière dans des champs techniques hors discipline, comme la cartographie, la géomatique, la télédétection. Avec les résultats problématiques suivants, il y a un éclatement dans les départements universitaires de géographie sur le plan des idées, des recherches et de l'enseignement. Disparition de la géographie humaine dans plusieurs départements du Québec. Souvent, le nom des départements, c'est géographie. Mais ça ne reflète pas le contenu de l'enseignement qui est enseigné ou les recherches qui sont enseignées. Ça, pour moi, l'explication vient du fait que très forte majorité des géographes ne connaissent pas l'histoire de leur discipline. Parce que s'ils connaissaient l'histoire de leur discipline, ils n'auraient pas fait en sorte que ça arrive. Là, en ce temps, ils sont surpris des résultats que ça a au secondaire, parce qu'on a séparé la géographie du reste. Ils ne peuvent pas connaître la problématique de la discipline. C'est impossible. À mon point de vue, il faut la connaître, l'histoire. Surtout en géographie, parce qu'on est passé d'une science naturelle à une science sociale. C'est un gros, gros changement. Donc, il faut être conscient de changement. Ma conclusion. À la suite de mon exposé, vous avez peut-être pensé que je suis pessimiste, mais au contraire, on continue à travailler pareil en géographie. Je serais pourtant conclu que la géographie est actuellement une vieille discipline qui est retournée en enfance, pour employer une expression bien connue. Ce retour en enfance signifie alors que la relève en géographie doit partir sur de nouvelles bases. Je ne sais pas comment ça va se présenter, là. Je vous ai fait peut-être un portrait un peu impressionniste de l'évolution de la géographie sur 100 ans, 120 ans. Il y a beaucoup d'aspects que je n'ai pas pu aborder. Bien de choses qu'il faut retenir, la géographie est passée du statut d'une science naturelle, d'une science sociale. Et ça a pris 75 ans aux géographes de réaliser. Même s'il y avait déjà au début du siècle, en 1900, les sociologues qui avaient dit vous avez des problèmes avec les géographes. Mais les géographes n'ont pas vu leurs travaux, n'ont pas écouté les critiques. Bon, quant à moi, je continue mes travaux, peut-être moins sur les médias, mais plus sur les problèmes épistémologiques de la discipline, dans la mesure de mes possibilités. Je désire mener maintenant une réflexion plus approfondie sur la notion de lieu. Donc, je continue mes travaux. Merci.